Salut les amis, c'est Monsieur Long, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal, on se retrouve aujourd'hui sur 7 Days to Die, en modé, version Valmod. On s'était laissé ici, la fois dernière, vous vous souviendrez, on était dans la merde. J'ai augmenté encore un petit peu les gamins, parce que j'ai vu que c'était un petit peu encore... Qu'est-ce qu'on a laissé ici? Ah oui, c'est vrai qu'on a tout mis. J'ai vu que c'était encore un petit peu sombre, donc j'ai encore augmenté, on va voir si c'est mieux. On s'était laissé là donc la dernière fois avec un empoisonnement bien sûr et bien sûr on a soif hein, très clairement très clairement on part sur une soifade très prononcée puisqu'on est à zéro. Est-ce qu'on peut boire de la colle? Non, on peut pas boire de la colle, merde. On peut pas boire de la colle, fait chier. Alors ne surtout pas reprendre de painkiller hein, bien sûr, parce qu'il te rattrape sur moins 30, ça fait mal. Et donc je suis empoisonné, j'ai soif. Et on est tout simplement dans la merde, hein, intersidérale. On pourrait manger ça, hein, on a une chance sur deux d'être empoisonné, mais au point où on en est, j'ai envie de vous dire, l'empoisonnement, c'est mon dernier des soucis. Ah, quelle heure est-il au fait? Quelle heure est-il? Merde, j'ai mon truc qui est devant, non? Attendez, je suis perdu. Non, voilà, c'est ça, 2h20. Il est 2h20. Il est 2h20. Il est 2h20. On va poser le feu de camp ici. Je suis en train de perdre du wellness hein, parce que je suis empoisonné et que j'ai soif. Le problème c'est que on va pas tarder bien sûr. Ah mais je pourrais pas faire bouillir mon eau puisque pour faire bouillir de l'eau. Marmite. Marmite. Ou alors de la snowball. Mais il me faut une marmite. Et la marmitasse, on l'a pas. La marmitasse, on l'a pas du tout. Faut qu'on trouve de l'eau très rapidement. Vous avez soif, buvez. J'aimerais bien Jean-Michel. J'aimerais carrément bien. Le problème, c'est que je peux pas là. Actuellement, je suis dans le mal. Actuellement, je suis dans le mal. C'est le 0-0, ça? Pourquoi j'ai un point ici? C'est quoi, ça? C'est le trader? Non, c'est pas le trader. C'est quoi, cette merde? Oui, je sais, c'est bon, on a compris. T'es empoisonné, mon gars. Fais pas le malin. C'est quoi, ça? Ah oui, je me souviens des... Mais oui, c'est le trader, ça. Ici, qu'est-ce qu'on a mis? Future base. Ah oui, est-ce que la ville en 0-0, elle est là? Enfin, la ville proche du 0-0, elle est là. Ah oui, c'est vrai qu'on était en train de rentrer à la maison. Mais oui, il faut qu'on refasse tout ça. Oh, mais oui, mais c'est vrai que j'étais dans le mal, carrément. Mais carrément dans le mal. Ouais, on était carrément dans le pas bien, là. Carrément. Qu'est-ce que j'ai sur moi? J'ai du bois, j'ai un peu de pierre. Ouais. J'ai un flingue, au cas où, mais bon. Là, la priorité, c'est vraiment... vraiment de boire, quoi. Encore une demi-heure pour que le jour se lève. Ça dure encore longtemps, ça, ou pas? Ouais, tant que j'aurai... Ah, on peut faire plein de trucs avec les snowberries, d'accord. Ok. Ça, c'est de la pommade de Vera, ça sert à fabriquer des bandages médicinaux. Ouais, donc je vais pas manger ça, ça sert à rien. Quoi qu'on peut le tenter. Vas-y, on tente.
Ah d'accord, j'ai la peau douce maintenant, je pense. Je pense que j'ai la peau douce. Le skin cool. Ok, donc j'ai le skin cool. Impeccable, j'ai la peau qui est très très bien. Par contre, je suis intoxiqué et puis j'ai un petit peu soif, mais ça c'est pas grave, j'ai la peau qui va très très bien. C'est génial ce jeu. J'adore! Bon, il y a une autre maison là-bas. Il y a une autre maison, faudra qu'on tente la percée. Par contre, les munitions, c'est quand même plus important. Il y a personne, hein? Non, il y a personne. Ah merde. Par où on était rentré? Ah oui, par là, et puis on a fait le trou. Ok. On va voir dans l'autre maison en face. Sinon, on est dans le caca. Hein. Sinon, on est dans le caca. Ah, j'ai pas de place pour ramasser du maïs, merde. Je pensais en avoir sur moi. Alors, bonjour madame. Alors, ça tomberait bien si vous pouviez me donner des antibiotiques. Oh la pute. Oh la putasse. Allez, c'est parti. Des baskets bleues, super. Café, hydratation, non. Non, 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 non. Ou ça, par contre, je m'en fous que ça me donne le speed maintenant. Voilà, on se met bien, on se met bien. On était sauvés, génial. Bon, on est toujours empoisonné, mais ça va. Oh putain, je prendrais bien ça quand même. Pour le retour, on sait jamais. Quoique, allez, on va boire. Ça peut être sympa. Très bien, on lit. You have wings. Ça j'aurais bien récupéré. Votre compétence glanage, votre construction tool, c'est pas présent au niveau 6, ok. Votre compétence compatriote à présent de niveau 2, ok. Oui. Oh! Non, utilise! On n'est plus empoisonné. Ah si, mais toujours you are not feeling well. T'es sérieux là? Michel, merde, c'est pas ce bouton-là. T'es sérieux que ça guérit pas le snowberry poisoning là? Fuck it! Ah ouais, sérieusement, fuck it, hein! Direction la maison, par là-bas. Mais marche pas sur le cas que tu... Tu l'as vu le cas que tu, Jean-Michel. Loupé. Oh là là, tout ce que je laisse sur toi, mon pote. Je t'ai fracasse, mon gars, comment je t'ai fracasse?
J'arrive. J'arrive, j'arrive. Alors, je fais ça, c'est pour la quête, hein. On doit en tuer 50. Donc, autant se les faire. Oh, il m'a fait peur. Il m'a fait très très peur, ce monsieur. Oh putain, ça par contre, c'est bon. Mange. Merci bien, monsieur. Très généreux de votre part. Bon, allez, on traverse. C'est parti. Je suis toujours empoisonné, normalement. Je ne sais absolument pas ce qu'il faut prendre pour enlever le... pour dépoisonner. Pour me dépoisonner, je sais pas ce qu'il faut que je prenne. On est à 19 sur 50 zombies tués. On va passer par là. Ouais, bah ouais, bah ouais, bah oui, je sais bien, je sais bien, je sais bien. Je sais bien, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on prenne pour enlever ce poison? Je ne sais absolument pas. On est sur Valmod, c'est complètement différent. Il y a peut-être un truc exprès, peut-être s'enlever le sang, faut se faire une dialyse, j'en sais rien. On a des seringues, on a des poches de sang, faut s'enlever le sang, le dialyser et le remettre, j'en sais rien. mais on est dans le caca. Ah, très clairement, on est dans la merde. Je sais pas jusqu'à quand je vais traîner ça, mais pour l'instant, on le traîne. Alors, j'ai pris des antibiotiques pour rien, du coup. J'ai pris des antibios pour rien. Allez, on peut regarder par contre. Pharmacie. Healing agent. Mix this in strength to make healing dart. Non, ça c'est pour faire des strings de dart. Désinfectant, je pense pas que le désinfectant ça serve à empoisonner. Hein? Je pense pas que ça serve à dépoisonner, donc non, je ne vois pas dans ce qu'on pourrait crafter, au moins sur nous, ce qui pourrait nous enlever ce poison, malheureusement. Ah, bonjour monsieur. Bonjour monsieur, vous êtes le 20e. On récupère tout ça. Même si on, pour l'instant on ne sert pas trop des flèches. Ah. Ouais, je peux comprendre, je peux comprendre. Moi aussi, je suis empoisonné mon gars et ça me plaît pas trop. Vas-y, jette-moi ça. Surtout qu'on a encore beaucoup, 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 beaucoup de routes à faire. Et surtout, encore la mer à traverser. Tel Moïse. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Ouh, heureusement que je vais éclater la tête parce que je me suis un peu trop rapproché de sa gueule. C'est quoi ça? Ok, donc faut pas faire ça, monsieur. Ça faut pas le manger. Je veux bien m'empoisonner avec des snowberries, mais alors manger des sandwichs pourris, non, hein, s'il vous plaît, quoi. Ok, c'est là qu'il va falloir retraverser. On est jour numéro 3. Alors, si je me souviens bien, j'ai... mis ah, puis là, il va être long celui-là à traverser. J'ai mis les largages tous les 3 jours, s'il me semble. Il me semble, hein. J'ai un modèle de base. Alors, j'ai un modèle de base, calmez-vous. Non, j'ai pas un modèle de base pour l'instant. J'ai un modèle de fortification qui pourra m'aider pour la première. Enfin, pour les hordes. Surtout pour les premières, parce qu'après ça commence un peu plus dur quand il y aura un peu plus de zombies et surtout les flics. Apparemment, c'est une fortification qui va me permettre de pouvoir tuer les zombies sans trop de problèmes.
Mais par contre, les zombies flics vont faire des dégâts sur cette fortification. C'est les seuls d'ailleurs, je crois. Les autres, normalement, ils ne verront pas de bloc, donc ils défonceront rien. C'est grâce à Linz. Hein, je vous en parle souvent, mais c'est grâce à Linz. Je regarde un petit peu de temps en temps ses vidéos sur 7 Days to Die, puis sur autre chose, hein, sur ce qu'elle fait, j'aime beaucoup. Elle a fait une fortification sur son serveur Alexandria 2.0 qui m'a beaucoup plu. Franchement, j'ai trouvé ça sympathique. Donc, on va essayer de reproduire la même chose. C'est en fait c'est une sorte de protection de poteau qui vous permettent en fait de bloquer les zombies. Sauf que les zombies ne détectent pas de blocs, donc du coup, ils ne tapent pas. Ils foncent, ils continuent d'avancer, sauf qu'ils sont bloqués par les poteaux. Et vous avez juste à les matraquer en étant derrière ces poteaux, donc c'est plutôt sympathique. On va essayer de reproduire ça, surtout que ça marche pour les premières hordes, donc on va essayer de faire ça tranquillement. Et se mettre bien, hein, se mettre bien, donc ça pourrait être cool, ça pourrait être très très cool. Hop, on récupère et on continue d'avancer. On n'est pas encore rendu, je crois qu'on avait à peu près 3-4 heures de marche, hein. 3-4 heures de marche avant d'atteindre la maison. On n'a plus d'endurance. Elle est buggée, je l'aurais pas. Malheur! Ouais, non, c'est pas pour une viande. Je vais me faire chier à tirer tous les zombies. Je suis déjà empoisonné. Ah, quoique, je suis peut-être plus empoisonné apparemment. Wouhou! On est plus empoisonné! Ok, ça c'est cool! Ça c'est bien cool! On n'est plus empoisonné, ça fait plaisir! On peut remanger des snowberries! On sait qu'à peu près, il ne faut pas dépasser les 10 snowberries! Hein, sinon, c'est l'empoisonnement par voie aérienne, bien sûr! Je sais même pas si je vais en remanger les snowberries du coup! Du coup, vu que je viens de me faire. Poisoning, putain, des pommes de terre. On en a une pomme de terre, on peut la prendre. Yes. Ah, bonjour monsieur, oui. Ah non, non, non. Tu dois mourir normalement. Tu dois mourir. Putain, t'es costaud toi. T'es pas tapé dans la tête peut-être. Est-ce qu'on peut faire par contre? Vu qu'on a 14 points, hop, prendre le survivant. Ensuite, on prendra le chameau. Déjà, mettre un point dans chaque pour éviter justement de. Enfin, pour économiser un petit peu de bouffe et de soif. Ça peut être sympa. Bon, pour l'instant, l'icône du lit ne grossit pas trop. Donc, du coup, on se rapproche, mais on est encore assez loin, je crois. Hein. J'ai pas une bière ou un truc comme ça, non, j'ai que dalle hein, pour l'endurance là. Ouais, j'ai rien à boire. Hein. Par du café en grains. Par du café en grains, on a Walux. Bonjour madame, est-ce que vous voulez être la 24e s'il vous plaît? Merci. Voilà, ferme ta gueule. Ok. Hop, un trésor de plus. On ira chercher, je ne sais pas quand, mais on ira le chercher. Voilà. Ah,
Allez, 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 allez. Yes, papa, vas-y. Waouh. Ah oui, quel con! Arrêtez, madame! Putain, tu m'as mis dans le mal, toi, t'es sérieuse? Pas possible, ça! Taper les gens, c'est pas très gentil. J'ai plus de vie, moi, maintenant. Putain, j'ai plus d'enduit non plus. Niveau 11 en compétences sportives. Putain, le trader, on aurait dû y aller beaucoup plus tard. On a été beaucoup trop tôt, on aurait dû rester chez nous. Du coup, là, je vais arriver à l'espèce de base qu'on avait. Et on va devoir repartir sur la future base où on veut s'installer. Parce que je vais pas construire un truc ici alors qu'on va déménager vers la ville dans 0-0. Hein? Ça par contre je prendrais bien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir laisser? Ça, on n'a pas besoin. J'ai cru voir un nid, oui. Enfin qu'on se fasse quand même un arc et des flèches, hein, parce que pour chasser, ça sera quand même mieux de chasser à l'arc et à la flèche. Qu'au Spike Club, hein, quand même. Hein. Bonjour monsieur. Voilà, calmez-vous. Ça va bien se passer. Calmez-vous, j'ai dit. Merci. On prend quand même, on sait jamais si on a faim. Ça peut toujours servir. On va laisser le faire lui quand même. C'est pour la quête, hein, bien sûr. Ah, l'aim ici. Putain, mais oh! Vous allez vous calmer, vous, hein? Vas-y, buve. Non, ça faut les prendre. Ça, on va laisser. On a un couteau. Allez, ça se rapproche, ça se rapproche. Il y a un petit peu de zombies là. Ouh, Jean-Michel! Michel, bordel! T'avais pas le droit! Putain, c'est quoi? C'était de la latence, j'en sais rien. J'ai pris des coups alors qu'il est pas encore tapé. Oh non, Jean-Michel, t'es mort! Tout ça, pour mourir si près du but. Bon, bah, falloir qu'on aille chercher notre sac à dos. Hein. Je sais pas si le sac à dos il reste éternellement ou. S'il reste pendant un laps de temps. Ah oui, c'est vrai qu'on habitait dans une maison. Ok, oui, c'est vrai, oui. Va falloir vite qu'on dégage, par contre. Bon, par contre, on garde ce qu'on a... Non, calme-toi, Jolly Jumper. Ouais, c'est ça, on garde ce qu'on a... Mon sac à dos est par là-bas. On garde ce qu'on a sur notre ceinture. Mais on perd ce qu'on a dans le sac à dos. On perd notre sac à dos, on garde notre ceinture. Ah non, je me suis pas fait chier à tout ramener pour laisser ça là-bas, quoi. Moi, je vais le chercher, je leur défonce la gueule. Eh ben, ça sera la première mort!
Ça fait longtemps qu'on n'était pas mort en vidéo dans un 7 Days to Die. La dernière, c'était en live. La dernière, c'était en live. D'ailleurs, le tout premier live que j'avais fait sur 7 Days to Die. Sur l'épisode de YouTube, on n'était jamais mort. On est rendu au 69e jour. Sans mourir une seule fois. J'aurais pas dû prendre les chaussures parce que j'ai plus de place avec mon sac à dos. Sac à dos, sac à dos. Je suis sûr qu'on était pas si loin que ça en plus. Hein. Ah ouais, on était juste à côté. Je crois qu'il y a celui-ci ici. Et notre sac à dos doit être par là. Là. Par contre, j'ai plus d'endu. Bon, niveau wellness, on est plus qu'à 83. C'est magnifique. Il est où mon sac à dos? Ah non, c'est un peu plus loin encore. Je croyais qu'on était plus frais que ça. Mon Spy Club est bientôt mort aussi. Hein. Mon Spy Club est bientôt mort et malheureusement... Je fais pas des Spy Club de ce niveau-là encore. Hein. On en est très très loin. Il est où mon sac à dos, bordel? Putain, je suis encore à 10 km ou quoi? L'épisode où on n'aura que marché, c'est génial. Bon, on sera mort. On sera au moins mort. Ça aurait eu le mérite de nous tuer. Mais là, ouais, c'était à mon avis, c'était de la latence, j'en sais rien. Je trouvais ça bizarre quand même. J'ai pris des coups alors qu'il n'avait pas encore tapé. Je sais pas si on a bien fait de prendre Bruiser. On aurait peut-être dû prendre une classe à distance. On aurait peut-être dû prendre une classe à distance. Ah, le sac à dos est là. Où ça, où ça, où ça? Il est là. Pourquoi le zombie est pas là par contre? J'ai pris des boots. Isolation plus 3. Vas-y, recycle. Ça, je l'avais déjà vu en plus. Bon, bah, direction à la maison. Ah putain, je vous jure. C'était la randonnée simulateur. Randonnée simulateur 2015. 2017. Pourquoi 2015? On est en 2017, monsieur, calmez-vous. L'épisode où on marche. Alors, je sais pas si je vais peut-être vous mettre ça. Peut-être des petits accélérés. Ouais, je vais peut-être vous mettre des accélérés quand même. Parce que si on fait que marcher, ça va pas être génial, génial. Quand même s'arrêter pour le nid que j'ai vu. On sait pas celui-là, mais on va le prendre quand même. Il y en a un autre par là, normalement. Voilà. Ah là 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 là. Ouais. T'as plus de bras. T'étais la 30e, plus que 20. Ah mais oui, mais attendez. Parce que moi, attends, moi je suis parti, je me fais, c'est bon, j'ai un modèle de base, blablabla. Mais est-ce que je peux construire tout ce que j'ai besoin? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que je peux construire tout ce que j'ai besoin? Parce que c'est vrai que... Ah, on est en Val mode, hein, y a plein de trucs pour construire avant de pouvoir peut-être faire ce qu'on veut. Faut que je regarde déjà si j'ai accès à tout ce que j'ai besoin. Et déjà limite les crafter. Comme ça, j'aurais juste à aller là-bas, me trouver un petit coin tranquille et commencer à m'installer. Déjà, il va falloir qu'on fasse énormément de Carpenter Kit.
puisque c'est ce qui va nous permettre de grader les wood frame. Le problème c'est que les carpenter kit, il nous faut des clous. Il nous faut des clous et du coup c'est la merde. Du coup c'est le caca. Non, c'est pas par là. Ok, on est rendu. Ah oui putain, mais ouais, je peux même pas faire de coffre. Non mais sérieusement quoi. Mon dieu, je peux même pas faire de... Ah oui, j'ai d'accord. C'est le recyclage des bottes, d'accord. Ah oh, mon dieu. Bon. Ok. Il nous faudrait 5 tissus. On va refaire un petit sac à main là. On va refaire un petit sac à main parce que je crois qu'on peut toujours pas crafter de coffre. La compétence. Donc un petit sac à main vite fait qu'on va foutre ici. Ouais, qu'on s'en fasse un autre. C'est le bordel, moi je vous le dis, c'est le bordel. C'est le bordel, c'est le bordel. C'est le Valmode. Valmode solo, mon avis, ça doit donner. Hein. Ça doit donner. Allez, 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 dépêche-toi, crafter le deuxième. Oh, mais il a déjà crafté le deuxième, en fait. Bon, je vais remplir la pièce de sac à main, ça va être cool. Vous allez voir. Bon, du coup, alors ici, est-ce qu'on a des trucs ou pas? On a de la viande. Mais on n'a rien ici, on n'a pas la marmite, on n'a rien pour utiliser cette viande. Ouais, c'est vrai que... C'est la grosse merde. Très clairement, c'est la merde. On veut s'installer ici. Alors d'abord, je vais voir. Il faut des poteaux. Des poteaux en bois, apparemment, je peux les construire, mais il me faut... Il faut que je le fasse dans un établi. C'est génial. Ah mais fuck it, bordel. Il nous faut un fucking établi, mais t'es sérieux? T'es sérieux? Putain. Je ne peux absolument même pas faire de wood frame de toute façon, donc ça règle le souci. Bienvenue sur le Valmode, les amis, ça fait plaisir. Et j'ai que 4 points. Il y a un mec derrière, dehors. Il va falloir qu'on lui casser sa gueule. Du coup, il faudrait qu'on passe à 10 ici. Donc il nous faudrait 6 points. Vas-y, viens, on va le buter parce qu'il commence à m'emmerder, c'est con là.
Je suis là, bordel de con. Je suis ici, là. Viens ici, toi. T'es sérieux, toi? On vient m'attaquer chez moi? Non mais oh! Vous vous prenez pour qui, bande de cons? Je sais ce qu'il fallait qu'on aille faire. C'est qu'on aille au sous-sol. C'était où le sous-sol déjà? Faut qu'on aille au sous-sol. Par ici, voilà. On n'a pas exploré ici. Il y a l'air d'y avoir des trucs. Putain, il y a Walou, quoi. Y a pas grand chose. Ok, alors par contre ici y a pas de, y a pas de plafond, donc on pourra pas reprendre notre respiration. Hein. C'est ça. Donc ça, on le fera pas tout de suite, hein, très clairement. Ok, on se barre. Ok, donc on a un safe en dessous, mais c'est trop la merde pour aller le chercher. Bon, en tout cas, les amis, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode. Malheureusement, voilà. Hein. Malheureusement, voilà. On est très clairement dans le caca. On est très clairement dans le caca. Ça va être compliqué. Alors, ça va être très 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 compliqué. Ça peut y aller là. Ça peut y aller là aussi. Ça aussi. Voilà, impeccable. Ça va être compliqué, je vous l'accorde, il nous faut des points. Il nous faut des points et il va falloir qu'on se débrouille. En tout cas, désolé pour cet épisode simulateur. Randonnée simulateur, excusez-moi, je suis en train de me gratter les yeux. Randonnée simulateur, désolé. On est quand même mort, on est quand même mort une fois. J'espère que ça vous a plu. Va falloir qu'on prenne des points du coup. Je sais pas comment on va faire. Enfin qu'on pexe. Tout simplement, on ne peut rien crafter pour l'instant. C'est la merde. On va se rapprocher de du point que j'ai mis là, du 0-0, pour voir si on peut se trouver un petit coin tranquille. Il nous faut un établi. Il nous faut un établi, il nous faut pouvoir construire quelque chose. Du coup, faire complexe. Voilà, tout simplement le programme du prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu quand même. N'oubliez pas un maximum de pouces bleus pour m'aider. Hein. Ça m'aide grandement les pouces bleus, donc merci à vous d'en mettre. Vous pouvez bien sûr vous abonner aussi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ça me fait très plaisir, on est de plus en plus nombreux et je vous en remercie toujours. On se retrouve très bientôt pour la suite de 7 Days to Die version Valmode. A la prochaine, salut, bye bye.